Seigneur, bienvenue dans notre tranche sur les catéchèses populaires. Aujourd'hui, nous voulons parler du chapelet ou du rosaire. Du chapelet et du rosaire. Et j'aimerais commencer par donner une petite différence, très légère différence. Le rosaire et le chapelet, c'est pas toujours la même chose en langue française. C'est sûr qu'en italien, on parle il rosario pour parler du chapelet et du rosaire. Mais en français, quand on parle du rosaire, il s'agit du chapelet récité avec les quatre mystères. Quand on récite un seul mystère, par exemple le mystère joyeux, c'est un chapelet. Mais quand dans une seule prière, on fait le mystère joyeux, le mystère douloureux, le mystère glorieux et les mystères lumineux, on a donc là affaire à ce qu'on appelle le rosaire. Voilà donc le sens de la différence entre le rosaire et le chapelet. Qu'est-ce que le chapelet? Voilà le cœur de notre méditation, surtout en ce mois qui est consacré, au mois d'octobre, qui est consacré au rosaire. Si vous êtes nouveau sur notre page, nous vous prions de vous abonner pour ne pas perdre nos catéchèses que nous voulons régulières. Et nous serons contents que vous partagiez avec d'autres personnes. Donc abonnez-vous, mettez un like, ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes contents ou bien que vous êtes au moins intéressé, même si la satisfaction n'est pas totale. Et après, laissez un petit commentaire pour que nous sachions ce que vous pensez. Bien, qu'est-ce que le chapelet? Le chapelet, régulièrement on dit que c'est une prière adressée à Marie. Non, c'est une prière adressée à Dieu, mais avec Marie. La prière, c'est un ensemble de prières. Le rosaire, le chapelet, c'est un ensemble de prières adressées à Dieu, mais avec Marie. C'est une prière composée du Notre Père, vous voyez que ce n'est pas Marie. Des « Je vous salue Marie », ce sont les paroles bibliques de l'ange qui dit « Je vous salue Marie ». Ce sont les prières de l'ange, de Bernadette qui dit, d'Élisabeth qui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni ». Vous voyez que c'est biblique. Et aussi de la communauté chrétienne qui a l'habitude de se soutenir par les prières, mais surtout quelque chose de très important quand j'ai dit « à l'heure de ma mort ». C'est-à-dire « Je ne vis pas sans oublier ». Demain, l'éventualité, l'échéance de ma mort qui me permettra de contempler le visage du Seigneur. Donc, c'est une prière adressée à Dieu et adressée avec Marie, adressée par Marie. Donc, c'est d'abord le Notre Père, ça commence toujours par « Et je crois en Dieu ». Le « Je crois en Dieu » n'est pas une prière à Marie. Le Notre Père n'est pas une prière à Marie. Le « Je vous salue Marie », c'est la prière de l'ange et d'Élisabeth et de la communauté chrétienne. Et maintenant, on conclut chaque dizaine par le « Gloire au Père », ce n'est pas une prière à Marie. Donc Marie intervient entre parenthèses, mais elle est avec nous. Voilà ce qui est fort et très beau. Donc entre chaque dizaine, on ne parle pas de Marie, on ne parle pas toujours de Marie. Quand on parle des mystères, nous réfléchissons sur des mystères. Mystères joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux, mystère lumineux. Quand nous parlons, par exemple, mystère douloureux, j'ai la flagellation, Jésus est flagellé, et nous méditons sur la flagellation, nous ne sommes pas en train de parler à Marie. Donc, c'est un peu sommaire et un peu simplement ébauché de dire que c'est une prière à Marie. C'est une prière à Dieu que nous adressons avec Marie. Nous sommes en compagnie de Marie. Dans les mystères, surtout, vous voyez que dans le chapelet, il y a les mystères. Le chrétien revit les moments importants du salut. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Quand on parle de la résurrection, c'est le mystère glorieux premier, le premier des mystères glorieux. Nous ne parlons pas à Marie, nous parlons de la résurrection, du tombeau vide, de cette joie. Nous prions donc avec Marie. Nous revivons ces moments. Marie nous aide à revivre ces moments très importants. Donc, cessons de laisser les gens nous dire que le chapelet, c'est une prière à Marie.
C'est une prière à Dieu que nous adressons avec Marie. Et nous sommes heureux de savoir que quand Jésus nous a dit, voilà votre mère, nous continuons, elle nous aide toujours à parler à son fils. Elle nous aide à redécouvrir le cœur de son fils pour l'humanité. Et donc, dans les mystères, nous redécouvrons et examinons les histoires des évangiles. Nous méditons ces histoires et découvrons le sens de ces événements dans le silence de notre cœur. Pourquoi les gens n'aiment pas le chapelet? Je crois que c'est aussi à cause de cet aspect du silence, parce que le silence aujourd'hui n'est plus supporté, n'est plus supportable. En ce qui concerne le silence, en fait, un autre but de la récitation du chapelet est de permettre à Dieu d'entrer dans nos cœurs chaque fois que nous récitons. Et en silence, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Nous permettons à Dieu qui est venu faire l'annonce à Marie d'entrer dans notre cœur. Alors que nous méditons, grâce aux prières répétitives, nous pouvons mieux entendre Dieu. Nous pouvons mieux l'accueillir. Nous l'entendons dans le silence de notre cœur, où habite l'Esprit du Christ. Et si nous voulons prendre l'histoire sainte ou bien l'histoire contemporaine, il y a quelques années, presque un siècle, à Fatima, la Vierge apparaît, c'était le 13 mai 1917, il apparaît et dit, je suis du ciel. Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde. Et c'était à des jeunes qui mettaient les croyants face à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ne leur donnaient pas des pistolets, des bombes, ils leur donnaient la force du chapelet. Ils leur donnaient la force du chapelet. Prendre le chapelet et le prier chaque jour nous fait donc entrer en résistance dans l'arche bénie du cœur immaculé de Marie pour traverser la mer déchaînée des terribles derniers temps. Même en ces moments où l'Église est secouée par ces nouvelles qui blessent, les vagues de nouvelles qui nous secouent venant des crimes des prêtres, etc., de pédophilie que nous écoutons, la plus grande chose à faire, c'est de prendre le chapelet pour entrer dans le mystère de Dieu, mais pour entrer en résistance et demander la purification de l'Église. Garder la paix du cœur en sa tendresse maternelle est une urgence de chaque instant, d'instant en instant. Le chapelet, le rosaire, c'est dire l'amour à la mère de Jésus. C'est aimer sa foi. C'est aimer sa disponibilité. C'est aimer la foi et la disponibilité de Marie. Et avec elle, parler à Dieu. C'est donc surtout dire des paroles d'amour dans la cour céleste. Vous voyez, quand les amoureux se rencontrent, ils se disent régulièrement, je t'aime. Ils se disent sans cesse et sans se fatiguer, je t'aime. Ils ne sont pas fatigués de le dire. Voilà pourquoi le chapelet redit la même chose. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, maman. Tu es bénie, maman. Ça fait du bien d'écouter déjà les autres nous dire, tu es beau, tu es gentil, tu es élégant. Mais c'est encore très beau de dire, d'entendre dire, je t'aime. Alors nous le redisons à la Mère de Dieu. Cela ne devrait déranger personne. Donc le chapelet me plaît dans le sens où c'est surtout la prière des pauvres. C'est la prière de ceux qui ne savent pas crier Je abracadabra, Jésus descend du ciel, feu sur l'esprit. Non, c'est la prière des pauvres. Des gens qui ne sont pas très intelligents et qui ne savent pas composer des prières séquentes qui font comprendre qu'on est allé bousculer Dieu sur son trône au ciel. C'est cette prière des pauvres, ceux qui ne savent pas parler à Dieu, qui ne savent pas formuler des prières effrayantes, qui aiment juste sentir la présence. Ouais, un jour j'ai été frappé quand une femme, j'ai demandé à une femme, est-ce que ton mari t'a déjà dit pourquoi il t'aime? Elle m'a dit oui, on en a plusieurs fois discuté et je lui demandais qu'est-ce que tu aimes sur moi? Elle m'a dit, elle me dit que son mari dit je ne sais pas, je t'aime seulement.
et que c'était comme ça. Ça l'a plu parce qu'il n'avait aucune justification, seulement en tant qu'il n'y a pas de motif, je t'aime. Et elle-même, elle reconnaissait qu'elle ne savait pas pourquoi, ce qu'elle devait dire. Donc, à un moment, les plus belles paroles, c'est souvent seulement être à côté de la personne qu'on aime. Et nous aimons être à côté de Marie, mais nous aimons être à côté de la mère de Dieu pour pouvoir ensemble regarder Jésus, pour pouvoir ensemble regarder le côté transpercé. Et c'est là la force du chapelet. Ceux qui ne savent pas parler, ceux qui ne savent pas secouer Dieu dans son trône, qui aiment juste sa présence. Et le mot est là, la présence de maman, toujours prête. Comme au temple, lorsque Marie, lorsque Jésus est égaré, elle se met à sa recherche. Comme sur la croix, lorsque Jésus est soufflé, alors que les autres apôtres ont fui, Jean est là. Jean est là. Et c'est formidable. Et elle vient à côté de Jean et Jésus dit, voilà ta mère. C'est cette présence-là que nous voulons prolonger. Parlons brièvement du chapelet et de son histoire. Le chapelet n'est pas une originalité chrétienne. Ce n'est pas l'invention des catholiques. Hein. Le chapelet n'est pas une exclusivité des catholiques. Et c'est un peu étrange que lorsque les gens attaquent le chapelet, ils attaquent l'Église, alors que le chapelet, on en voit chez les musulmans, on en voit chez les Indiens. Ça vient surtout de l'Asie. Le chapelet vient de l'Asie. C'est une création indienne qui remonte à des millénaires et dont le but est de canaliser les pensées de l'homme autour d'une prière. Donc, en tenant ces graines, on est mieux concentré et on peut mieux formuler son intention. Le chapelet a donc existé dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, bien avant d'apparaître comme support de la foi dans le christianisme. Le chapelet originel indien est appelé mala. Mala, ce qui signifie sanskrit, c'est-à-dire collier de méditation, il est souvent porté autour du cou. Dans le bouddhisme, il comporte 108 graines ou perles correspondant aux 108 noms de Bouddha. Sa récitation se veut être un apaisement spirituel pour guérir les blessures de l'âme. Les graines successives servent à concentrer la pensée autour d'une intention, autour d'une méditation que les Indiens appelleront la mantra, le mantra. Le chapelet dans le christianisme a commencé très tôt. Déjà, au départ, les premiers chrétiens récitaient, comme ils ne savaient pas lire beaucoup, ils récitaient les 150 psaumes de David. Et peu à peu, on a commencé à se focaliser autour du Notre Père. Ce n'est que tardivement qu'on y adjoint le Je vous salue Marie. Donc le chapelet n'est pas une originalité ni une exclusivité des chrétiennes. C'est une technique déjà pour supporter notre concentration autour d'une intention. Voilà pourquoi quand nous faisons le chapelet, nous avons notre intention, d'abord ce que nous portons dans le cœur, et les graines du chapelet et cette ritournelle nous permettent de nous concentrer sur ce que nous avons comme intention. Frères et sœurs, le chapelet est donc une prière fortement divine. Comme je l'ai dit, c'est le Notre Père. D'abord, qu'on récite avant le début de chaque dizaine. Et dans chaque dizaine, c'est le Je vous salue Marie, c'est la prière de l'ange, c'est le salut de l'ange qui ouvre la nouvelle ère où Jésus couronnera sur la croix et par son sang le salut du monde. Nous commençons avec l'ange, nous disons notre louange à Dieu pour ce moment important du salut. Et voilà encore la force du chapelet, parce que le chapelet nous aide à provoquer de nouveau l'histoire du salut, pas seulement pour nous, mais pour l'humanité. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ça, c'est Élisabeth qui, lorsque Marie vient vers elle,
quelque chose se passe en elle. L'enfant tressaillit d'allégresse en son sein. Et elle dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Mais rappelons-nous que lors de cette visitation, c'est Marie qui dira, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Et je suis heureux humblement de faire partie de cette génération, de ce chapelet des générations qui disent à Marie, tu es bienheureuse, tu es bienheureuse. Et alors voilà pourquoi je dis, Sainte Marie, Mère de Dieu, ne m'oublie pas maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, le chrétien qui médite beaucoup sur le chapelet découvre aussi qu'en priant, il se prépare à la mort, mais il se prépare surtout à la rencontre. Et quelle joie d'imaginer qu'à l'heure de cette rencontre, il y aura une femme qui dit « J'écoutais ce que tu disais maintenant et à l'heure de notre mort » et de nous tendre une main pour dire « Viens contempler mon fils ». Loué soit Jésus-Christ. Thank you.
Thank you.